Bonjour les amis, c'est Gémico, j'espère que vous allez bien. Ben là, je suis sur Watch Dog Legion pour la suite des épisodes. Donc là, je vais vous faire l'épisode 10. Tous ceux qui aiment cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez à vos amis et abonnez-vous et surtout activez la cloche. Et n'hésitez pas à regarder cette vidéo en entière, ça me ferait grave plaisir. Tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger, car cette vidéo va durer à peu près 18 minutes. Les dead sex sont de plus en plus forts, malins et sexy. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Je suis fier de devenir le nouveau bras armé de la justice. Génial! La réunion de Nigel Cass ne va pas tarder à commencer. Rapprochez-vous de la tour de Londres dès que possible. Bah allez, c'est parti les amis. Donc on va mettre le point sur la carte. On va mettre le point sur le jaune, voilà, infiltré. Donc allez, c'est parti. Donc on y va avec le nouveau personnage qu'on a eu dans la mission précédente. Donc c'est un garde d'Albion. Donc là, on va infiltrer le 8 Tower. À peu de chance, vous devriez passer incognito. Ne faites pas de vagues, surtout. Soyez docile et mettez votre casquette de citoyen brisée par le système. Oh, et n'oubliez pas votre uniforme. Allons-y. Bah allez, on va essayer d'être discret. Donc alors. Donc là, accès avec tenue. Certains agents bénéficient d'un accès avec tenue à certaines zones interdites. Donc après, il y a tenue. Pour obtenir un accès, activez la tenue. Dans le menu des capacités, maintenez la flèche du dessus lorsque vous l'utilisez. Les zones interdites apparaissent différemment sur les mini-cartes, ok? Il y a éviter les soupçons. Les gardes peuvent vous soupçonner si vous effectuez des actions suspectes. Vous avez de l'allure. Vos ex-collègues n'y verront que du feu, tant que vous ne vous laissez pas regarder de trop près. On va essayer de pas trop s'approcher des gardes et tout ça. Mais en tout cas... Ce qui me fait le plus peur, c'est les drones. Parce que les drones, ils s'approchent en volant au-dessus de toi. Donc, c'est un peu compliqué au niveau des drones. C'est pour ça que je m'éloigne. Il y avait un drone au tout début. Donc là, il me suit un peu. Il me détecte un peu. Donc ça, c'est cool de voir si les ennemis ils vous détectent ou pas. Et de savoir si vraiment ils vous ont repéré ou pas. Bah, c'est dans le rouge, normalement, quand vous êtes repéré. Donc allez, c'est parti. Donc là, j'ai pris des points de tech. Donc c'est important de les récupérer dans des zones où il y en a. Donc n'hésitez pas à en récupérer. Bah, allez, je vais rentrer là-dedans. Parce qu'autrement, il va me voir, l'autre garde. Ah, il te repère vraiment trop facilement. Puis il est en train de me suivre en plus. Donc je vais essayer de faire le tour sans me faire capter. Ah, il y en a un autre là. Ouais, il vient vers moi. Oh là là, ça va être chaud là. Bah allez, je vais passer là. Je vais escalader. Hop. Voilà, essayer de les esquiver. Et faut pas faire des trucs bizarres, parce qu'autrement, ils vont capter que je suis pas un garde d'Albion. Donc allez, c'est parti. Donc là, on va aller tout droit. Donc là, infiltrer. Donc on va aller infiltrer. On va ouvrir cette porte. Voilà, nickel. Et on va aller au point jaune qui est juste là. Donc je pense qu'il y a une porte pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc allez... C'est parti. On y va. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de garde. Donc ça c'est vraiment cool. Au moins on se fait pas repérer. Donc allez, on tape le code. On va ouvrir ça. Oh, il y a un gars qui m'a vu. Oh non. Oh non, il va me repérer. J'espère qu'on va rentrer avant. Oh. Laissez-moi vous avertir. Maintenant que nous sommes à l'intérieur, au moindre chahut, Nigel Cass annulera forcément la réunion. Évitez de vous faire repérer par vos anciens collègues ou toute l'opération tombera à l'eau. Ouais, Nigel doit rien garder d'important à cet étage. Comment ça se fait que t'en saches plus sur lui que moi? Ouais, moi aussi j'ai fait partie d'Albion, au cas où t'aurais pas tilté. J'étais proche de Cass à une époque et je l'admirais. Non mais c'était un mec hors norme, un vrai génie du high-tech. Moi, j'étais juste un jeune kéké insignifiant. Je voulais devenir comme lui. C'est pour ça que je me suis fait embaucher. Non, mais je rêve. J'ai mis du temps avant de comprendre que c'était un fou dangereux. On va aller prendre les escaliers qui sont juste à gauche. Donc lui, voilà. J'essaie de le distraire. Voilà, je l'ai distrait. Donc là, je suis passé. Donc là, lui, c'est juste un homme de ménage. Donc il me repère pas. Je peux passer tranquillement. Donc allez, c'est parti. Donc là, on est arrivé à l'étage. Donc il y a une zone, donc là ils disent espionner la réunion de Nigel Cass. Bah allez, c'est parti. On va aller espionner ça.
Donc c'est juste là. Tu as visiblement besoin d'un pass. Ah bah bravo. Utilisez l'un des ordinateurs à proximité pour créer votre contrefaçon. Fais gaffe, je te raconte pas le sort que Nigel réserve aux intrus. Allons faire une contrefaçon, donc c'est juste à côté. Donc on va éviter de se faire repérer maintenant qu'on est, on est pas loin, on est juste à côté. Donc là il y a un garde ici, voilà. Je vais le distraire. Donc là tout de suite, voilà, comme ça je peux passer au bon moment. Donc n'hésitez pas à faire ça. À les distraire au moment où vous passez, comme ça vous êtes tranquille. Donc allez c'est parti, on va fabriquer un faux badge de sécurité. Let's go. Il faudra un certain temps avant que la contrefaçon soit prête. Pour vous faire patienter, j'ai trouvé des photos et un enregistrement de l'enquête interne sur la mort de Cass Senior. Montre-moi. Évaluation psychologique interne AS001. Sujet Cass Nigel. Monsieur Cass a vécu un terrible traumatisme lorsqu'il a été témoin du meurtre de son père. Waouh, je suis pas un modèle d'équilibre, mais Cass c'est le niveau au-dessus. Hein. Et c'est lui qu'ils ont choisi pour garantir la sécurité des Londoniens? Ça me surprend même pas. Ouais, enfin, Nigel a jamais été proche de qui que ce soit à part son père. Et moi, je suppose. Il a jamais eu foi en l'humanité, en fait. Bon, le pass est copié, mais c'est de l'artisanal. Si toute cette affaire de résistance tombe à l'eau, je vous déconseille de vous lancer dans la contrefaçon. Enfin, essayons quand même. Nigel Cass nous attend. C'est bon, on va pouvoir passer. Allons-y. Voilà, nickel. Ça a bien marché la contrefaçon en tout cas. Donc ça, c'est cool. Donc là, on va monter à l'étage. Lui, je le distrais, voilà, comme ça, il me repère pas. Parce qu'autrement, là, il m'aurait repéré tellement il est près de moi. Donc allez, on monte les escaliers et puis on va aller voir ça. Bienvenue dans le projet Témis, sur nos nouveaux drones autonomes. Ces drones pourront ainsi identifier, isoler et éradiquer toute menace avant même qu'elle se produise. Ils peuvent s'infiltrer partout, voire absolument tout. Et éliminer un homme seul dans une ruelle ou noyé dans une foule avec la même précision. Les drones Témis pourront faire ce que les hommes se sont toujours refusés à faire. Agir avec fermeté et sans état d'âme. Sans votre soutien, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous dire, pour vous promettre, que grâce au lancement du projet Témis, Londres est en passe de devenir la ville la plus sûre du monde. Monsieur Cass, j'ai cru comprendre que nous étions tous réunis ici pour aborder les questions d'ordre éthique. Allons, allons, monsieur le commissaire s'inquiète, comme nous tous. J'admire sa passion et son dévouement, je vous écoute. Eh bien, disons que Témis va bien au-delà du mandat d'Albion, et il me semble que nous devrions consulter l'ensemble du gouvernement. Ah, et donc retarder le lancement, afin de débattre et de nous pencher sur les détails. Il me semble que nous perdons de vue le facteur humain. Je peux appeler le ministre de la Défense pour en parler tout de suite. Ma foi, si vous insistez. C'est ce facteur humain qui nous a conduits là où nous en sommes. Fini les débats, les retards et les hésitations, c'est bien compris. Je ne laisserai personne, et je dis bien personne, compromettre Témis. Bien. Nos amis de chez Tidys sont-ils prêts? Vous êtes la pierre angulaire du projet, après tout. Souhaiteriez-vous consulter une tierce partie, peut-être? Non. Nous serons prêts. À la bonne heure. Les criminels courent les rues. Les sans-papiers menacent nos familles. Le commissaire de police lui-même a été assassiné par les terroristes. Prendre une décision n'est pas simple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois prise, cette décision sera votre salut. Je vous avais prévenu pour la contrefaçon. L'uniforme vous sera utile. Ne les laissez pas vous regarder de près. Par où je me tire? Par les catacombes. On va se tirer. Allez, c'est parti. Donc là, ils ont activé l'alarme, l'alerte. Donc là, ils recherchent un ennemi. Donc on va essayer d'être le plus discret possible et de s'échapper le plus rapidement possible sans se faire repérer. Donc lui, voilà, je l'ai distrait.
Donc là, je passe tranquillement, à l'aise. Ils ont rien capté. Lui, pas besoin de le distraire parce qu'il se retourne. Du coup, je passe à ce moment-là. Voilà, nickel. En tout cas, là, je suis passé pour l'instant. Donc là, il y a lui qui est devant les escaliers. Donc lui, ça va être un peu plus compliqué. Mais il a pas l'air de me repérer. Ah, il va me repérer. Ah, je cours un peu. Oh, ça a marché. Yes. En tout cas, il m'a pas repéré, c'est bon. Donc là, je suis déjà arrivé en bas. Ok. Donc là, pour passer, on doit passer là tout droit. Mais on va faire attention qu'il n'y ait pas un garde qui nous voit. Donc là, il y en a un là juste à côté à droite. Ok. Ok, mais je regarde bien partout. Oh, ah non, il y en a un là. Je vais faire quoi? Je le distrais et je fais le tour. Allez, c'est parti. On fait le tour. J'espère qu'il va pas me capter. Ah non, c'est bon, il m'a pas capté. Donc allez, on va descendre. Donc on va descendre dans les catacombes, les amis. Donc on va passer par là pour s'échapper. En tout cas, on est bientôt arrivé dans les catacombes. Donc là, je pense qu'on y est arrivé. Ça, on peut dire qu'il maîtrise. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il fera tout pour que Témis sorte au plus vite. Allez, c'est parti. On va aller direction la sortie, les amis. Donc là, on est toujours dans les catacombes. Donc c'est vraiment très sombre. Donc allez, c'est parti. On va trouver le moyen d'accéder à la sortie. En tout cas, là, on a voulu me parler, mais on n'entendait rien du tout. Genre, la voix, elle était brouillée et tout. Oh, il y a un accès ici, on dirait. Donc allez, je vais interagir, voilà, ça va ouvrir cette porte. Donc on va pouvoir descendre encore plus bas. Donc allez, let's go. Allons-y dans ce trou. Donc allez, on y va. En tout cas, dites-moi où vous en êtes dans l'histoire, si vous avez terminé le jeu ou pas. Et dites-moi ce que vous pensez de l'histoire du jeu, si vous la trouvez cool ou pas du tout. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Ah, je pense qu'on est bientôt arrivé. Ah, c'est bon, on est arrivé, on va passer dans l'eau. Putain de merde. Le projet top secret d'Albion, c'est une machine meurtrière automatisée. Et on dirait que Cass est sur le point de la lancer. On doit lui confisquer Témis et vite. Je prépare un briefing. Vous joindrez-vous à nous, Amish? Je risque toujours pas ma belle gueule pour toi. Mais tiens-moi au courant. Il faut qu'on discute tactique, bag. Sans vouloir me vanter, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal comme combattant de DedSec. On ne vous aurait pas recruté si les DedSec s'étaient attendus à ce que vous vous fassiez tuer si facilement. Merci, monsieur. Je suppose. La répartie de Bagley, faut s'y habituer, tu verras. Franchement, il est super marrant. Bravo à toi, en fait. Votre potentiel recrue essaye de nous joindre. Je vous passe votre nouvel ami. Je vous en dois une. Rien t'y oblige. Mais si tu rejoins DedSec, on n'aura qu'à dire qu'on est quitte. Hein? Ouais, d'accord. Cool, on a une nouvelle personne dans l'équipe. Donc là, on va participer au briefing. Donc allez, c'est parti. Donc on va à la planque qu'on a d'habitude. Donc là, on est arrivé, les amis. Donc là, je me faisais courser par la police. Donc il y a un petit barrage que j'ai passé tranquillement à l'aise. Allez, c'est parti, on rentre. Voilà, on rentre dans la planque tranquillement. Je lance le briefing dès que vous êtes prêts. Voici ce que nous savons sur Nigel Cass. Il déploie actuellement un projet appelé Témis. Le manque d'informations sur le sujet est un problème en soi. Nous savons pourtant une chose. Il a pour ambition de supprimer le facteur humain au sein des forces de l'ordre. On sait aussi qu'il bosse avec Tidys, et c'est mauvais signe. Tidys participe à d'autres projets d'Albion, des trucs bien sales comme des armes autonomes ou des algorithmes de ciblage. Par conséquent, Tidys est notre meilleure option pour éclaircir les zones d'ombre de ce projet secret. Leur sécurité est toutefois réputée quasi infranchissable, c'est pourquoi Amish propose une solution amusante. Je sais qu'Albion est sur de nouveaux micro-drones. Mon contact m'en a parlé, leur production n'a pas encore commencé. Alors si on se démerde pour récupérer les plans, on pourra en faire un. Pour contourner la sécurité de Tidys. Mais oui, exactement. Ils sont minuscules et prévus pour faire de la maintenance sur les autres drones d'Albion, surtout les plus petits. Ça veut dire qu'ils peuvent s'infiltrer absolument partout. Bon, eh bien tout est dit. Prochaine étape, pénétrer dans le laboratoire de fabrication de drones d'Albion pour se procurer les plans. Et comme ça, à vous le petit gadget qui va bien pour infiltrer Tidys. J'adore. Je vous envoie l'adresse. Faites gaffe. Ils aiment pas prêter leurs jouets chez Albion.
Allons voler le plan des micro-drones. Donc allez, c'est parti. Donc on va aller là-bas direct. Donc là, on met la carte. On va mettre le GPS sur le point jaune. Ça a l'air d'être hyper loin. Donc là, on est bientôt arrivé. Donc là, on est juste à côté. On a trouvé une autre voiture un peu plus puissante pour éviter de mettre 10 ans à aller jusqu'au point. Vous arrivez au laboratoire où Albion est en train de... Tu devras désactiver les systèmes de sécurité qui protègent le labo de recherche et développement. Donc ouais, je dois déverrouiller le labo de drone. Ok, pas de soucis. Donc là, je tue le vigile, le garde. Hop, voilà, j'active, je désactive ça, comme ça, on peut passer. Même après, quand on voudra sortir, je pourrais sortir en voiture. Vu que j'ai enlevé la sécurité qui était rouge. Donc lui, voilà, je le distrais. Hop, je l'élimine, discrètement. Faut essayer d'être vraiment discret. Bah, c'est le mieux, en tout cas. Et je trouve que c'est vraiment propre et beau comme gameplay. Quand on est discret et tout ça. Donc lui pareil, voilà. Donc il y a un drone qui est chiant, qui va me détecter. Donc là, hop, je le désactive et je le casse. Voilà, nickel. Comme ça, je suis tranquille. Au moins, il fait pas chier. Donc on doit accéder au-dessus. Donc on va monter les escaliers. Bah non, même pas. Du coup, on va prendre l'échelle. Ça arrive direct au point. C'est beaucoup mieux. C'est plus facile. Donc allez, c'est parti. Donc on va déverrouiller ça. Voilà, c'est juste là. Hop, on fait ça, nickel. Comme ça, c'est fait. Ça a tout activé. Aïe, aïe, aïe. Vous avez coupé le système de sécurité du laboratoire. Vous devriez pouvoir obtenir les plans des micro-drones à présent. Allons voler les plans. Donc allez, on va sauter ici. On va accéder direct au laboratoire. Donc c'est juste là. Donc ça a l'air d'être ici, le plan pour les drones. Ah ouais, c'est juste là, nickel. Donc allez, on prend ça, on vole ça, on pirate ça. Hop, c'est bientôt à 100%. Voilà. J'ai fini de télécharger les plans. Partez quand bon vous semble. Maintenant que nous avons les schémas, nous pouvons concevoir nos propres micro-drones. T'as intérêt à manier, Bugs. On doit s'infiltrer chez Tidys le plus vite possible et faire capoter le projet Temis avant que Nigel ne déclenche tout. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye les amis !